Y a pas un truc où, genre, pour cacher le corps de quelqu'un. Alors, y avait deux trucs dont je me souviens très bien. C'est genre, pour cacher le corps de quelqu'un, il le pousse dans un truc qui est une usine à savon. Et la meuf, elle fait quand même genre, allez, finalement, on va peut-être pouvoir prendre enfin cette douche ensemble. Et puis, elle se savonne, et en fait, c'est acide, et ça la tue en vengeance. Et t'avais ce truc où, je sais plus, quelqu'un qui a compacté un mec dans de la bouffe, ou je sais plus quoi, ou dans une seringue. Et en fait, il a les yeux de la personne qui pousse derrière lui. Et ça devient tout un visage et tout. Et tu le voyais dans le générique, ses yeux qui poussaient derrière la tête, ça faisait trop peur. Merci Breakers pour les 11 viewers. On essaie de finir Silent Hill, on est très proche. Du coup, effectivement, Charlepoule qui était plus de mon âge. Enfin, j'avais pile poil 12 ans pour chair de poule, donc forcément, ça me faisait plus du tout peur. Ah putain, c'est vrai que je suis pas allé chercher mon bouquin. Oh! Un tire-bouchon. Un ouvre-boîte. Ah. Un pot de peinture ouvert. Ouais, James sait pas s'en servir. Ah, c'est pas ça que tu veux qu'on mette. Censé branler d'un ouvre-boîte. Qu'est terrifiant son truc là. Terrifiant le boss. Enfin, mais enfin on lui a mis la misère. Du coup c'est pas un vrai bouquin qu'on a récupéré. Oh mon dieu, si Elisa pouvait ne pas faire tomber des trucs. Et me faire d'autant plus flipper. J'ai pas envie d'entendre des gros madaboum. Ouais, l'ampoule, le machin, ça là qui veut pas s'exploser. Le mot de passe pour. Ça fait quand même plusieurs choses hein, qu'on a besoin. Hein. On n'est pas allé là. Mais bien sûr que je connais les prochaines. Bien sûr que je connais les prochaines avec Jennifer Aniston. Merde, mais attends, mais. En fait, c'est que ça a toujours communiqué ça, mais en fait, on avait déjà. Avec Jennifer Aniston dedans, un de ses premiers rôles. Et le 3 à Las Vegas, le 4 dans l'espace. Et après, je sais plus si c'est le 5 ou le 6, c'est les prochaines au quartier, au Tiekar, in the hood. Et le 2, back to the hood. Genre, les prochaines de retour au Tiekar. Tu racontes crocodile. Moi j'ai eu tous les trucs classiques, hein, genre traumatisé par Chucky, traumatisé par il est revenu le truc avec le, enfin ça, le truc avec le clown. Traumatisé par les Tommy Knocker, le fléau, la mouche. Au-delà du réel. Ça me faisait vraiment flipper de zinzin, quoi.
Ah mais attends, le 209, il y avait un balcon, t'étais censé pouvoir communiquer. Sur le papier. Ah, Dreamcatcher, le truc avec l'anus et tout, c'était mal mis en scène. Ils ont pas pu... Merde, mais ça sert à rien, là. Pas très flippant, cette pièce, hein. Ah mais du coup, ça a condamné la salle de conf. Mais attends, mais le fait d'ouvrir le pot de peinture, genre ça me... Ça me donne quel super pouvoir? Fait tout ça déjà. Ah non. Là, il y a de la peinture rouge partout. Je vois pas ce que je suis censé en foutre, quoi. Le cadenas, la buande... Putain. Je me sens con moi avec mes la 312, je peux pas y aller pour l'instant quoi. Et qu'est-ce que je suis censé foutre? Ah peut-être le miroir. Non mais le miroir. Faudrait que je tâche le miroir. En fait, je vois pas quel autre truc on n'a pas vu. Ou alors j'oublie quelque chose.
je suis un peu paumé là. Merde, c'est mes bruits de pas qui ont changé. Alors, le truc que je déteste le plus dans ce genre de jeu, commencer à tourner en rond, c'est la première fois que ça nous arrive vraiment dans le jeu. Putain, j'ai dû passer à côté d'un truc. Retourner au miroir, mais il me semblait que je pense que le miroir servait surtout à attends, le miroir c'est depuis la salle de lecture quoi. Ah, le miroir de la c'est ça qu'ils appellent le miroir de la courtoisie. J'ai le coup boulon, j'ai le machin, là j'ai pas le code. En plus, tu vas vraiment faire Marie, quoi. Mais là aussi. Marie Narc. Ouais, mais étant donné que mon cerveau est une entrave à ma propre folie. Tu peux faire Kill Wife? Petit malin. Attends, putain, on a le pot de peinture rouge. Le coup boulon. Parce que la salle de miroir, il dit que c'est rayé, quoi. La 216, j'y ai jamais foutu les pieds, quoi. Il y a 2-3 gars qui ont, dans la rue, qui ont sorti des refs au Joker quand je passais dans la rue. Alors qu'Elisa était en robe rouge, hein, je rappelle. Merde, putain, je vais... En fait, Collode, je ne vis pas pour le stream.
Donc en fait, je suis juste allé retrouver des amis à une soirée avec un blind test et un quiz. D'ailleurs, un quiz blind test spécial Halloween que nous avons remporté haut la main. Donc on a eu droit à 30 secondes derrière le bar. Et du coup, c'est un pote qui a servi pour. Il a servi genre 8 ou 9 pintes à l'œil. Même si en vrai, franchement, les mecs, si vous voulez éviter les catastrophes et les briefs bizarres, offrez une tournée, point. L'ascenseur de service est mort, le cadenas ne veut pas s'ouvrir. Genre, je trouverais rien de plus cringe que de streamer IRL dans Bordeaux avec mon costume pour filmer la réaction et tout, me mettre en scène. Putain, mais merde! Qu'est-ce qu'ils veulent de moi dans le jeu là? Parce que là, là, il y a de la peinture partout qu'on a ouverte. Je n'ai pas d'ampoule. Je n'ai pas mon code. Je n'ai pas ma troisième figurine. J'ai un coupe-boulon, mais ça ne coupe pas les cadenas. Ça m'étonnerait qu'il faille aller dehors. Si ramasser les feuilles, on a obtenu la clé pour la cheminée et on a récupéré une figue. Mais ce qu'on a récupéré d'autre n'a pas du tout aidé, quoi. Je sais que je vais nulle part là. Putain, je suis en train de tourner en rond. Ouais, je veux bien que tu me dises où est l'ampoule. Je me souviens. J'ai fait caca dans une boîte. L'aile fermée dans le jardin. Que hein? Ah oh putain, c'est encore ce bug. Boink. Boink. C'est flippant en plus de le voir ouvert.
Mais le livre sur le toit en verre, on l'a fait tomber, on l'a récupéré, on a ouvert un ouvre-boîte, on a ouvert le pot de peinture avec. Par contre... Dans le jardin, t'as une statue avec l'ampoule et tu avais besoin d'un outil pour ouvrir la grille. De combiner des trucs. Mais ça se combine encore avec autre chose, mais je peux rien faire avec. Visiblement le truc est incomplet. Moi je suis en normal hein. Ah, le jardin, induit en erreur, c'est la cour d'entrée de l'hôtel. Mais attends, mais le poisson, on y était, il n'y avait rien. Depuis le début, je me chibre pour rien. Le froid approche, elle quitte les unis pour... Les gars... Tu avais une grille, où ça? Mais genre, j'ai 12 infos qui aucune n'est vraie. Si, faites des phrases. Vraiment, si, faites des phrases. Je suis passé devant 400 fois. Ah putain, ça là! Waouh, fallait, oui, effectivement, fallait regarder. En vrai, on n'est pas totalement passé devant. C'est genre. Pour moi, c'était ouvert vers le reste. Okay. Ah oui, putain, non, mais effectivement, fallait bien rester dehors. Donc là, il y a une ampoule. Trempe l'ampoule dans le rouge, tu vas la mettre dans le machin, ça va faire des chocs à pic. Ah ouais, non mais j'aurais pu tourner longtemps parce que dans ma tête c'était dans l'hôtel quoi. Et une fois dehors, je voyais pas le petit truc quoi. Du coup, on est bel et bien retourné dans le jardin pour rien. Au-dessus, en dessous, de ça. Merde, je me suis bourré. Rien qu'avec le bruit de la télé, j'ai peur. C'est fait. Mais fait accompli.
Tu vois à quoi ça ressemblerait Silent Hill avec Harry Potter? La peinture commence à me gratter sévère la barbe là. Je vais prendre mon meilleur bain. Mais déjà, dans Harry Potter, ta radio pète un câble tout le temps parce qu'il n'y a que des phénomènes paranormaux. L'ascenseur de service est là. Ok. Mais ne fais pas peur comme ça, saloperie! Tu peux te vider de toutes tes possessions? Je suis Johnny, un gars plutôt chaud. Je sais pas si ça m'apporte quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi le jeu me laissait tout laisser comme ça? Ok. Rien ne fonctionne, ça ne part pas au lavage, il faut commander des draps. Mais est-ce que je suis complètement con d'avoir laissé mes trucs par terre? Dans un placard? Salut Jonathan.
Tu me souviens. Ah mais ouais, mais là du coup c'est une figurine pétée. Super de bon goût. J'ai rien pour taper là. Mais je regrette mon choix. C'était con de ma part. Arrête de le regarder comme ça! Merde, il m'en manque d'autres. Oh non. Mais j'ai fait toutes vos salles. J'ai fait toutes les pièces. Il y en a un qui fait bouger un motif, un qui fait bouger un autre motif, ok. C'est très arbitraire. Sept, quatre, un, quatre.
Ouvre. En fait, le fait de pas avoir d'armes me rassure presque. Ok, il me faut une valve. Je n'ai qu'une cassette vidéo par contre. Bonjour. Mais bon. Mais tu vas pas faire le piqué. Casse-toi! Je suis de ce côté-là du truc, ok. Ah, la porte est bloquée en plus. Ok, ok. Je ne sais toujours pas si je regrette d'avoir pris mes armes, d'avoir laissé mes armes, mais je me dis si on peut, c'est qu'il faut. C'est un signe. Un signe que j'ai changé. Vous me faites peur! Et vous me faites peur, j'ai peur, c'est terrifiant, je n'ai plus de lumière, je n'ai plus d'armes. Ah pardon. Putain, la clé du bar. Ça va? T'as pas streamé longtemps. C'était juste pour leur dire bon Halloween. D'accord. Ça va toi? T'as pas envie d'une douche? Ça me gratte un peu. Regarde. Il y a ça. C'est quoi? Bah des monstres flashlight. Oh, quoi? Pardon? Des genres de monstres flashlight. T'as pas ça qui tourne toi? Non. Ah bon? Non, j'ai bu beaucoup d'eau. On a bu la même quantité d'alcool pourtant. Je pèse le même, on fait pas le même poids. Putain, mais t'étais pas obligé de revendre la valve, James. Merci. C'est ce que je me disais.
Ouais, vraisemblablement. Une heure ou une demi-heure? Je sais pas. Oh, qu'est-ce que je fous là? Ah, je suis déjà à l'intérieur du bar. Bon, ça s'est bien passé, même si, genre, j'ai lâché toutes mes possessions dans un placard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être une bonne idée. T'as laissé tes armes quelque part? Ouais. Ah, la dernière figurine est là. Ok. Enfin. Bon, j'ai un peu tourné en rond parce que j'ai pas vu une petite porte. Oh. Oh. Non, non, c'était ça. Ouais. Mais tous les fils entre les trois doivent pas se toucher. Attends, il y a un guac. Non, chérie. Quoi? Les plateformes doivent pas aussi se toucher entre elles, parce que celle-là, je vais faire ça. Ouais. Alors là, je me concentrais sur... Que de toute façon, il faut bien que la sirène aille quelque part, tu vois ce que je veux dire. Là, la sirène rentre chez elle. Elle va quelque part. Tony le tigre va sortir du labyrinthe pour aller au céréal. C'est que pour moi, c'est pas possible que ce soit autre chose que ça. Pour ouais. Celle-ci. Il faut bien que ça se connecte à la truc quoi. Un minimum, oui. En fait, fallait cliquer sur le bouton. Bah! Ah si, c'est bon. Oh sa mère la pute. Ce qui commença par trois, bientôt l'une déplorera. Mais cette âme bonne et pure, facilitaire son ouverture. Ne faites pas tomber des trucs derrière moi, des petits boulons! Mais... Ça fait flipper! Il a glissé! Échangeant un pour deux, loin d'elle s'aventurerait, mais c'est l'amour de cinq qui, chez elle, l'amènerait. Provoquée par les deux, durement elle travaillait, elle abandonna le chemin elle trouverait. Qu'est-ce que je suis censé comprendre de quoi que ce soit là? Attends. Quoi? Il faut qu'elle aille dans chaque porte. La petite porte elle s'ouvre. Je
Alors avec deux tours de clé, celle du milieu n'est pas synchro. Avec deux tours de plus. Je comprends pas. Pourquoi là, c'est les a bloqués? Je comprends rien du tout. C'est pas un truc de remontée mécanique ou quoi que ce soit? De base, elles font rien. Ce qui a commencé par 3, 1, puis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, 1 pour 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2, puis 1. Je ne comprends pas ce qu'ils essaient de me faire dire ou de me... Ok, par les deux, durement elle travaillait, en abandonnant une, le chemin elle trouverait. Mais attends, à chaque fois, il faut refaire les tours de clé, voilà, parce que tout se reset. Donc là, ça va être 1. 7. 5. Merde, putain, attends, j'ai mal fait le 5. Ah, c'est vraiment juste lire le truc comme un débile, quoi. Il n'y a aucune logique. Ah, moi, j'étais en train de compter combien de remontées de ressorts il va falloir pour que chaque truc puisse aller au fond, alors qu'il te montre déjà le truc de base. Donc, techniquement, c'était déjà fini. La musique, c'était pas obligé. Mais je n'ai plus d'armes. Une cassette. Mais je n'ai plus mes clés. Mais ce coup, je sers à rien ici. J'ai même plus ma carte. Mais ça servait à quoi d'enlever les trucs? Parce que là, la 312...
Mais ça servait à quoi de les enlever s'il faut retourner les rechercher? C'est qu'il y avait un guac comme quoi il fallait se séparer de ses affaires pour pouvoir. Il y avait un détecteur de métaux, il y avait un truc. Ah, c'est que l'ascenseur t'empêchait de monter. Ok, d'accord, je comprenais pas pourquoi. Genre, je pensais que c'était. Alors, je t'explique. Ce que j'ai pensé, c'était que le jeu allait bientôt se terminer ou quoi que ce soit. Et que du coup, t'aurais une fin différente suivant si tu abandonnes l'idée de te battre, tu vois, tu communies avec... Non, d'accord, ok, c'était vraiment juste bête et méchant. J'étais obligé, quoi. J'étais pas du tout en train de démystifier quelque chose et de revenir en arrière, quoi. Ça veut dire que ça va bastonner, quoi. Ah, j'étais perdu, j'étais je sais pas moi. Les trophées qui spoilent, hein, c'est vraiment le plaisir. Hein. Ah, petite cassette. Très bon modèle, hein. Bonjour, bienvenue dans le James Corner. Ah, je m'étais fait tout un film. Are you taping again? Come on. Je vais voir Teddy. Les gens achetaient des caméscopes dans les années 80-90 pour filmer. I don't know why, but I just love it here. Du sexe. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. Too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. C'est le pire porno que j'ai jamais vu. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick.
Big up à tous ceux qui ne sont pas fait spoil depuis 24 ans. Oula, pas très réussi cette mocap là. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Un petit air d'Arya Stark, effectivement.